à ton Seigneur. Oui, notre Père. Io tatanabiso. Ce cantique est très inspiré. Loyembo oyo epakolama mingi na molimo. Nous abandonnons nos fardeaux à toi. To misundeli mikumba na biso epai na yo. Comme disait Esaïe. Lokole lobaka Esaïe. Vos œuvres devant Dieu. Misala na bino liboso na Zambe. C'est comme un abissouillé. Eza lokola elamba oyo etonda mbindo. Et ton saint prophète William Branham a dit, mon santo, mon sera William Branham a lobi, si ce n'était pas le sang versé à la croix, ce que Zaramakilo sopane et Koulou souté, personne ne pouvait avoir accès à la perfection. Mon côté à quoi nous avons dit, nous avons dit, nous sommes parfaits grâce à ce sang purificateur. Nous n'avons pas de mérite. Mais nous comptons sur ce que toi tu as fait. C'est pour cela ce soir, oh Dieu, nous apportons nos fardeaux à toi. Ne nous regarde pas, oh Dieu, sans ton sang. Regarde-nous par ton sang. Comme, oh Dieu, tu l'as fait avec William Marion Branham. Quand il avait vu une femme à moitié nue, il a directement jugé et condamné. Mais toi, tu lui montras ses erreurs. Et tu as commencé à prendre ton sang et écrire pardonner. Et tu es jeté dans la mer de l'oubli. Oh Dieu, Zambé, nous comptons sur toi. Nous apportons nos fardeaux à toi. Si nous venons ici, c'est pour être meilleurs. Et nous ne pouvons pas être meilleurs par nous-mêmes, mais par ce que toi tu as fait. C'est pour cela, oh Dieu, bénis la parole de ce soir. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Remplis-nous de l'onction du troisième pôle, car tu es en train de rendre le saint de saint. Donne la compréhension à tout un chacun. Ouvre leur l'intelligence, car l'enseignement c'est la colonne vertébrale. Que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je pensais que la salle était pleine. La manière de chanter, mais c'est vrai que l'onction est sur vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Oui, Frère Branham dit que l'épouse, elle est préparée par les chants, par les prédicateurs et par vous. La réunion de mercredi était une réunion magnifique. J'ai reçu même un grand témoignage. Il y avait une personne qui était tourmentée par un démon chaque nuit. Pour dormir, elle devrait attacher la pochette sur la tête. Mais depuis que j'ai commencé sur l'enseignement du millénaire, elle dort bien et ne voit plus cet esprit-là. Ça prouve que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Celui qui croit, il est béni. Celui qui croit, il est roi. Il peut dire amen à cela. Celui qui croit, il est puissant. Celui qui croit, il a la gloire. Celui qui croit, il est roi. Il peut dire amen à cela. Croyez. Bonzima.
Il eut un démon de couleur verte qui ne voulait pas que quelqu'un croise ceci. Vraiment, quand Dieu commence à faire quelque chose avec vous, le diable, il met le bâton sur votre roue. Parce qu'il sait que Dieu est proche à recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Si vous croyez ce qui est prêché, ce qui est dit, vous vivrez de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation, parce que vous êtes roi. Amen. Amen. Faites toujours ce que le Saint-Esprit dit ici à la chair. Quand Dieu dit quelque chose ici, approche-toi à ça et va avec. Crois que c'est Dieu qui a parlé et Dieu accomplira sa parole. Comme même le Saint-Esprit dit, venez propre, viens propre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous croyez ça? Croyez-vous que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est les anges qui ont parlé? Vous prenez Juges chapitre 10. Vous lisez l'écriture de quelqu'un et vous croyez. C'était un homme qui avait une père et une mère. Qui avait ses hauts et ses bas. Et toi tu prends ce verset là. Prenant un Pierre. Et Pierre avait dit. Et toi tu t'accroches là. Parce que c'est Pierre qui a dit. Maintenant, si un frère que Dieu a oint, il monte à la chair, il vous dit quelque chose, accrochez-vous à cela, frère. Qui peut dire amen à cela? Accroche-toi à ça. Ces hommes de la Bible, c'était des hommes comme moi. Ils avaient un père et une mère. Et comme ils étaient inspirés par Dieu, nous appelons à la parole de Dieu. Jusqu'à leurs erreurs. Branham vient prêcher un message. Encore une fois, Seigneur. Qui a dit ça? C'est Samson. Après que les yeux étaient troués, il cherche les secours et Branham fait une prédication là-dessus. Dites amen, frère. Dites encore amen. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit dit quelque chose ici, crois ça. Qui croit qu'il est puissant? Qui croit qu'il est imbouffable? Qui croit qu'il a la gloire? J'ai déjà un témoignage. Depuis que j'ai commencé son enseignement, quelqu'un m'a témoigné. Parce que j'étais beaucoup tourmenté. Tu vois la pochette là? J'avais coupé ça. Si je l'attache pas sur les cheveux, rien, je ne peux pas dormir. Mais depuis que tu as commencé le millénaire, ce démon-là ne vient plus. Et si vous croyez, dites amen, frère. J'aimerais avoir un repos. Dites amen, frère. Dites encore amen. J'aimerais venir à votre secours quand tout ne. C'est-à-dire que je sois comme le chef de l'armée de l'Éternel. Il faut que ça soit le mur de Jéricho. Si c'est seulement le Jourdain, il ne vient pas. Parce qu'avec l'arche, vous allez traverser le Jourdain. Dites amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez. Amen. Et après que vous êtes roi, nous allons parler des choses très difficiles ce soir. Mais je lirai frère Branham. Parce que c'est Pierre qui est en train de continuer de prêcher. Et Pierre est très compliqué. Il a des situations trop graves. Mais comme l'épouse croit toujours la parole, nous allons croire. Et quand Jacques aussi viendra, Jacques va prêcher ça aussi. Et nous allons aussi croire ce qu'il dit. Amen. Amen. Vous avez un bloc-notes?
Où sont vos bloc-notes? L'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il croit. Nous allons dire un peu les choses difficiles. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre. Nous allons parler, toujours continuons sur le millénaire. Nous allons insister sur la troisième venue. Parce que le millénaire, c'est la troisième venue. Alors, insisterons plus sur la troisième venue. Amen. Mettez-vous donc pour lire la parole. Ça ne serait pas comme le dimanche, comme le vendredi, le mercredi. Où on a sauté, on a crié, on a. Non. Ça serait doucement, doucement. Amen. Je crois que ce qui est fait pour vous est fait. Voyons ceci. Il y a des prophéties qui ne concernent que William Branham. Ni moi, ni toi, personne ne peut mettre la tête. Allons dans l'Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs. Revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Amen. Pour vous asseoir. Ok. Je lirai plus Frère Branham. Ok, il y a trois venues. Frère Branham, dans chaque écriture que vous lisez, il dit toujours la venue de Christ. Il ne dit jamais les trois venues de Jésus. Il dit les trois venues de Christ. Il dit Christ vient en trois. Parce que Dieu est parfait dans le chiffre trois. Maintenant, le diable, lui, il vient en quatre. Il vient quatre fois. Il dit le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval pâle. Vous voyez, il vient en quatre. Le bonhomme dit Christ, lui, il ne vient pas en quatre, mais vient trois. Parce qu'il est parfait dans le chiffre 3. Donc il y a la première venue de Christ. La seconde venue de Christ. Et la troisième venue de Christ. La première venue de Christ. Il est venu pour nous racheter. Et la seconde venue de Christ, il vient pour nous enlever. Et la troisième venue de Christ,
Il revient sur la terre avec son épouse. Voilà les trois venus de Christ. Racheter, enlever et revenir. C'est pour cela que Frère Branham dit à sa seconde venue, ses pieds ne toucheront pas la terre. Parce que la première venue, il est venu pour nous racheter. La seconde venue, enlever. Branham dit, dans la seconde venue, ses pieds ne toucheront pas sur la terre. Et dans la troisième venue, c'est là où il revient sur la terre avec son épouse. Vous voyez donc plusieurs personnes, et Frère Branham, quand il dit Christ viendra à sa venue sur la terre, il pense que c'est la seconde venue. La seconde venue, il ne vient pas sur la terre. La seconde venue, il est au ciel. C'est Frère Branham qui dit, il dit, il vient pour nous racheter, il vient pour nous enlever, et il revient sur la terre avec son épouse. Donc la première venue de Christ, il est immortel. S'il n'est pas immortel, il ne peut pas nous sauver. Donc la première venue, il est immortel. La seconde venue, il est immortel. Et la troisième venue, il est le Dieu incarné. Dites amen. Dites encore amen. Donc la première venue de Christ, il est immortel. La seconde venue de Christ, il est immortel. Et la troisième venue, il est le Dieu incarné. C'est Frère Branham qui dit ça. Donc, c'est ça le tableau. Racheté, il est mortel. Bon, un Dieu qui pouvait mourir. C'est ça le but de la première venue. Parce qu'il doit verser le sang. Et Christ doit être mortel pour verser le sang. Sa seconde venue, il est immortel. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Et la troisième venue, il est le Dieu incarné. Voilà les trois venues de Christ. Il n'y a pas à s'échapper. Et Branham dit ça dans le quatrième saut. Or le saut, il n'y a pas d'erreur. Dites amen. Dites encore amen. Amen. Quatrième saut. Je vais plus lire. Paragraphe 210. Kamamoko Nazomi. Suivez très bien. Bolanda Malam. La première venue de Christ. Boye liboso ya Christ. En tant que mortel. Pelo kola wokufi. En tant que mortel, il vient trois fois. Christ est en trois. Vous voyez, regardez comment il vient. Lui, c'est en quatre. Lui, Satan, c'est en quatre. Parce qu'il prêchait le quatrième saut. Et Satan, dans le quatrième saut, il a le cheval pâle, n'est-ce pas? Et lui vient en quatre, mais Christ vient en trois. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel. Christ.
Cliso. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. Parce que la théophanie ne meurt pas. Dites amen, frère. Dites encore. Amen. La théophanie ne meurt pas. Et pour mourir, il devrait avoir une chair. Et pour cela, frère Banam dit, nous ne sommes pas sauvés par un homme. Nous sommes sauvés par Dieu. C'est Christ lui-même. Mais il vient en toi, il change de masque. En tant que mortel, pour verser son sang et mourir, pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux immortels. Dites-moi. Nous le rencontrons dans les cieux comment? Or, le corps immortel, c'est la théophanie. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Banam dit amen. Amen. Frère Banam tape une fois dans ses mains. Dieu, Zambé. Emmanuel. Pour régner sur la terre, c'est exact, trois seulement. La troisième venue, il est le Dieu incarné pour régner sur la terre. Emmanuel. Dites amen. Père, amen. Dites encore amen. Père, le sous amen. Voilà vos trois venues. Et l'apôtre Pierre, lui qui est l'enseignant de la foi, qui croit que tout est accompli, il a creusé le message et il a trouvé des citations. Dites amen, frère. Amen. Qui le soutient pour croire que nous sommes dans la troisième venue. Parce que la troisième venue, c'est le millionnaire. Quand on parle du millionnaire, c'est la troisième venue. Prendre le Saint de Saints. Le tabernacle qui sera utilisé dans le. Le tabernacle du. L'onction sera sur eux. Là, on parlait de vous tous. Mais ici, awa, on parle bakoloba de Dieu incarné. Pas dans des hommes. Dans un homme. Parce qu'on a dit Emmanuel. Nous ne sommes pas celui qui a chanté. Yamanuel de Pentecôtiste. Quand il chantait Yamanuel, il voyait ici. Là. Mais nous allons voir un autre Emmanuel. Dites amen. Amen. Maintenant, après le rachat, nous avons les sept âges de l'église. Et frère Branham dit, c'est ce qui se faisait dans le tabernacle. Le sacrificateur, après que le sacrifice a été donné, il prenait le sang, il faisait l'expression sept fois. Il avait le goutte de sang, il versait sept fois. Et Branham dit, ça typifiait les sept âges de l'église où le sang a été versé. Dites amen. Dites encore amen. Oh, c'est pour cela, c'est le temps de la médiation. Parce que quand il y a le sang sur l'autel, c'est qu'il y a encore la médiation. Maintenant, quand il n'y avait plus le sang, il y avait la fumée.
Et la fumée, c'est le jugement. C'est quand le sang n'est plus au cours des âges de l'église. Alors là, c'est la fumée. Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. Donc, le chandelier des Juifs, Dieu préfigurait les sept âges de l'église des hommes des nations. Et le chandelier des Juifs était allumé. Le premier feu, c'est le même feu qui va dans le deuxième, troisième jusqu'au septième. Donc ici là, chandelier, nous avons le baptême du Saint-Esprit qui a commencé depuis Paul jusqu'à l'Odyssée. Et dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Le même feu. Et nous allons lire avec frère Branham qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ceux qui sont au-delà des âges ne vivent pas comme les gens des âges? Parce qu'eux, ils avaient le baptême du Saint-Esprit, le même feu. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Donc, après le rachat, nous avons le chandelier. Et nous avons le sang aspersé sept fois. Qui sont les sept âges de l'église. Où Christ est sur le trône pour faire la médiation. Parce qu'il y a encore le sang au cours des âges. Il ne quitte pas encore le trône. Parce qu'il fait encore la médiation. Dites amen, frère. Dites encore amen. Maintenant, après les âges de l'église, frère Branham dit, l'épouse est enlevée dans le quatrième sceau. Nous savons que le premier sang, c'est Paul et Irénée. Qui les avaient l'onction du lion. C'est le premier sceau. Le deuxième sceau, Martin Colombo. Ils avaient l'onction du veau. Deuxième sceau. Le troisième saut, Luther et Wesley. Ils avaient l'onction de l'homme. Troisième saut. Le quatrième saut, c'est William Branham. C'est l'aigle. Voilà les quatre onctions. Ou les quatre saints qui font les sept âges de l'église. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc, les sept âges de l'église, l'église, ce sont les quatre sceaux. Dites amen. Et frère Branham dit, l'épouse est enlevée dans le quatrième sceau. C'est pas moi, je vais lire. Et ça a été la gotanga. L'épouse est enlevée dans le quatrième sceau. Il dit, regardez Jean, qui a le type de l'épouse, de l'Apocalypse 1 jusqu'à 3. Jean a parlé des âges de l'église. Dans l'Apocalypse 4, on dit à Jean, monte ici. Et frère Branham dit, c'est le type de l'enlèvement de l'épouse. Ah. Amen. Je veux seulement répéter, frère Branham. C'est le type de l'enlèvement de l'épouse. Frère, l'épouse est enlevée dans le quatrième saut. Okay. C'est dans le quatrième saut que l'épouse est enlevée. Et le quatrième saut, c'est l'Odyssée. Dites maintenant, c'est la frère. Amen. Dites encore amen. Alléluia. Donc cela montre que les sols sont ouverts
après l'enlèvement. Dites amen. Dites encore amen. Yesusu. Croyez-vous, frère Branham? Lisons. Totanga. Lisons, frère Branham. Totanga ndeko Branham. La révélation de Jésus-Christ, chapitre 4. Et moi, c'est à Esaïe. Paragraphe 125. Pourquoi mine mon capoua? Comment natumbe na mitano? Cher Saint-Esprit. Maolinga mon limo santo. Viens nous ouvrir l'intelligence. Yaka go fonga biso boyebi. Remarquez Botala. Comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des âges. Boni yona sikonete ma na simasuka bile kwa église. C'est un type de l'église enlevée. Et ça ne ndakisa o église enete lami. Aussitôt après que le dernier âge de l'église est terminé. Bah moi aussi ma été et le quoi église esuki. C'est l'âge de l'église de Laodicée. Waleza ele ko ya église ya Laodicea. Je vous ai prêché là, j'en connais, non? N'attendez pas le quoi, il est bien. Hein? Comment tu peux dans l'âge inconnu sans être enlevé? Bonne cause année, le quoi, il est bien. Parce que aussitôt que cet âge de l'Odyssée est terminé, l'église est enlevée. Écoutez, maman, elle est quoi, elle est enlevée. Parle toi-même. Alors vient l'enlèvement. N'abriez qu'on est la main. Comme Jean. L'église monte dans la présence de Dieu. Oh, cela me donne le vertige. Enlever lors de l'enlèvement. Enlever lors de l'enlèvement de l'église. Ce livre de l'Apocalypse est écrit à la fin des âges de l'église. C'est frère Branham. Jean est enlevé après. À la fin des âges. Exposé 270. Et c'est dans le quatrième saut que l'époux des nations part dans l'enlèvement. Amen. Dites amen, frère. C'est dans le bâton. C'est dans le quatrième saut que l'époux part où? Est-ce que c'est clair? Oh, le quatrième saut, c'est l'aigle. Qui est William Branham? Oh, William Branham. Et ici, il a écrit. Ah ouais, comami. Jean, Yon. Fut enlevé. Anetolami. Qui est le type de l'enlèvement de l'épouse? Et dans l'exposé, il dit, c'est dans le quatrième saut que l'épouse est enlevé. Na elogami de ezana tapo ami de mosi alibala neto lami. Dites amen, frère. Pelo amen de quoi? Dites encore amen. Pelo iso amen. Donc ici, nous savons que dans notre chemin ici, awa tewete nzela koyemisana bisawa. Il est mortel. Merci beaucoup. Je voyais pas ça. Il est mortel. Pelo nzela yokufa. La première venue. Boye liboso. Christ. Christo. Verse le sang. Asopi makila. Et cette venue là. Est connu même par le pape. Tout le monde connaît ça. Dites amen à cela, frère. Dites encore amen. Maintenant, ici nous parlons maintenant de l'enlèvement. Nous rencontrons Christ. Immortel. Dites amen à cela, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. Frère Branham a dit, on lui pose la question. Lisons d'abord, frère Branham. CO2. 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 Page 852. Ah. Que Dieu nous aide à comprendre ceci. Écoutez. On pose la question à Frère Branham. Question 306.
Après que les pouces auront été enlevées, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées? Ou seront-elles toutes perdues? Fais-moi répond. Non. Vous voyez, Botali, tout sera terminé pour l'église des nations. Une fois que les pouces auront été enlevées de la terre, l'Esprit de Dieu quitte la terre. Celui qui est souillé se souille encore. Le juste pratique encore la justice. Vous comprenez? En réalité, toute chose en prit fin quand ça s'est venu. Ceux qui devraient être enlevés, ils étaient déjà enlevés. Bon, mais c'est un netto, mais c'est un netto la main. Dites amen, frère. Paye le bain, mais on déco. Et dites encore amen. Amen. C'est la frère Bonhomme me dit les vierges folles ne seront pas sauvées. Mais il continue de dire ceux qui pratiquent la justice continuent à pratiquer la justice. Ceux qui sont encore sur la terre, ils vont pratiquer la justice. Et ceux qui se souillent davantage. Cela veut dire quand ceci est accompli, tout est terminé. Amen. Amen. Ceux qui devraient être enlevés sont déjà enlevés. Vous pensez que l'épouse c'est encore? L'épouse c'est à Théophanie. Regardez, je vais essayer de vous réveiller. Dans les hommes qui sont en prison, frère Branham me dit, le dernier élu était déjà rentré. N'est-ce pas? Bon, ils disent que moi je n'étais même pas encore né. Mais il dit que le dernier élu est déjà rentré. Alors, donc, dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Alléluia. Ça, c'est selon le livre de vie de l'agneau. C'est pas vos naissances. Pour Dieu. Dites amen. Amen. Pour Dieu, celui qui était prédestiné est déjà rentré. Vous pensez que Dieu va attendre quand vous allez naître? Il regarde son plan de la rédemption. Amen. 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 C'est Pierre qui prêche, non? Aimez-vous, frère Pierre? Est-ce que les brimes de Pierre sont là? Peut-être qu'il y a seulement le bureau de Jacques qui attend Jacques. Mais ou le Saint de Saint, ce n'est pas Jacques qui prêche ça. C'est Pierre qui prêche ça. Dites amen. Amen. Il dit, le juste pratique encore la justice. Celui qui est saint sanctifie encore. C'est ça, nous ne prêcherons pas à la sanctifie-toi. C'était fini. Parce que vous direz que quelqu'un de sanctifié, il ne faut pas sanctifier. Parce que la prophétie dit que celui qui se souille, que celui qui est sanctifié, bon, en réalité, nous ne prêchons que pour que le Fils de Dieu rentre. Nous n'allons pas changer le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 Ah. Le juste pratique encore la justice. Moyen celui qui est saint sanctifie encore. Autrement dit, le sanctuaire devient rempli de fumée. Dites amen, frère. Le sanctuaire est rempli de fumée. Cela veut dire qu'il n'y a plus le sang. Ça devient compliqué. Hein? Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. Il quitte
quitte le trône de médiation. Atiki ngwende tu bela. Qui est le trône du Père, là où il y a le sang. Oza ngwende tatesko makile zali. Maintenant le trône c'est la fumée. Pe ngwende kone milinga. Écoutez. Là où l'avocat se tient pour plaider la cause. Bon, je vais vous changer l'expiation. Christ quitte le sanctuaire. Son temps de médiation est terminé. Point. L'enlèvement a eu lieu. Point virgule. Il quitte le sanctuaire. Virgule. S'en va prendre le livre de la rédemption. On prend le livre de la rédemption après la. Bazabuko lisiko lisiko koneto lama. Me répétez les bonnes, je répète les bonnes. C'est moi qui a écrit ça. Ngai moto la koma. L'enlèvement a lieu, il quitte le sanctuaire et s'en va prendre le livre de la rédemption. Connaître ça, le répéter ça beaucoup à l'issue de la vie. Il prend possession de tout ce qu'il a racheté. L'enlèvement a eu lieu. Connaître ça, les mains. Dites amen. Il prend le livre et il prend possession de tout ce qu'il a racheté. Il n'y a plus d'œuvre de médiation. Combien comprennent ça? J'en ai parlé quand j'ai traité l'un des sous. C'est là où il dit que celui qui se souille, se souille davantage. Parce que quand Christ vient, dans la brochure, quelle attraction a-t-il sur la montagne? Fais mon homme dit que Luc 17:30. Après qu'il sort. Il dit c'est accompli. C'est de l'histoire. C'est quoi? Déjà accompli. Donc, cela veut dire la première venue déjà. Il nous a racheté. Verset le sang. Il vient de la nuit immortelle. Notre théophanie était déjà enlevée. Dites amen, frère. Dites amen, frère. Dites encore amen. Et c'est quand nous sommes enlevés dans la présence de Dieu. Dites amen à cela. Amen. Et frère Branham me dit, ça c'est ce moment-là qu'il prend le livre. C'est là je lis. Et dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Alors, immortel, c'est dans la nuée. Et ça prend les lipata. Oh, pour qu'il y ait la troisième venue, pour être il faut que l'événement de l'enlèvement s'accomplisse. Donc, après les âges, si ma bileko, le pouce est élevé dans le quatrième saut. Moi, ça va en à la rencontre de Christ dans les airs. Nous le rencontrons immortel. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Maintenant, frère Branham me dit. Maintenant, la troisième venue. C'est Dieu incarné. Mon nom. Avant de partir au Dieu incarné, essayons d'abord de voir si l'Apocalypse 19 est déjà accompli. Parce que Branham dit que l'Apocalypse 19, c'est la troisième venue. Dites amen, frère. Dites encore amen. Dans la, je dois lire aussi. Dans la fin des trompettes. Frère Branham me dit, après l'enlèvement de l'épouse, tout ce qui reste ici, dites amen. Amen. C'est pour les Juifs. Lisons. Fait des trompettes.
Pour que ce ne soit pas moi qui interprète mes paroles. Paragraphe 37. Les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, au chapitre 3, jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne reçoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux. Ensemble qui revient sur la terre. Dites amen. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénaire et de ce qui suivra pendant les années après. C'est frère Branham, non? Exacte au Branham. Amen. Amen. C'est frère Branham, non? Exacte au Branham. Voilà. Tala. Ici au chapitre 1. Ah ouais, n'a pas parlé beaucoup. Jusqu'au 3, c'est le 4e saut. Dis comme ça, exacte au premier. Et le pouce est enlevé. Moi, c'est le bal en étoile ami. Le pouce ne réapparaît que selon la citation dans l'Apocalypse 19. Donc, Branham dit, tout ce qui est là, c'est le temps qu'il traite avec les Juifs. Et dans la Apocalypse 19, alors Christ revient sur la terre afin que c'est racheté. Ah. Dites amen. Dites encore amen. Regardez, quand il presse le saut, dans le 4e saut, il met en rapport entre le cheval pâle et le cheval blanc de l'Apocalypse 19. Oh, le 4e saut, l'Antichrist monte un cheval pâle. Maintenant, frère Branham dit, remarquez Christ qui vient lui de la page 19. Il s'appelle le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Dites amen, c'est le frère. Amen. Et il a un nom qui lui seul le connaît. Il s'appelle la parole. Et les armées du ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Et les catholiques et les Jéhovahs, ils ont représenté un Jésus d'Offman avec un cheval blanc qui revient. Ils ne savent pas que le cheval pâle, ça veut dire la puissance politique, religieuse et démoniaque. Donc les trois couleurs mélangées, c'est une pâle. Et une bête dans la Bible, c'est une puissance. Et la couleur blanche, c'est la couleur originelle. Il n'y a pas de mélange. Et une bête, c'est une puissance. Et le cheval là, ce n'est pas un cheval naturel. Parce que la puissance de Christ est son église. Donc, dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. Donc, le 4e saut, lui, il rassemble tous ceux qui sont dans les quatre coins pour l'écuménisme. Et frère, Christ aussi rassemble les siens du coin, des quatre coins du ciel. Pas de la terre. Dites amen, frère. Amen, dites encore amen. Amen. Et quand il revient, sœur, vous comprenez? Vous comprenez? Prenez note, hein?
C'est pour cela que le message avait changé à très longtemps. Très longtemps. Oh, pourquoi ceux-là ils font ceci? Mais qui t'a dit que c'est sur la terre que nous sommes sauvés? Que celui qui s'est su, c'est su davantage. Quand nous arrivons ici, ici là, dans le millénaire, c'est celui qui s'est su, c'est sûr. Frère, si tu le péché, tu peux prendre une décision sans Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont pris des gens. Je ne veux plus fumer. Je veux plus fumer. Il arrête aussi de fumer. Je n'aurai plus de copines. Il arrête aussi. Sans Saint-Esprit. Donc ça c'est juste un problème de morale, hein? Tu peux prendre une décision. Dis-moi, que ce soit un démon dans l'âme, il faut qu'on t'impose les mains. Maintenant, quand il revient, il revient, nous sommes dans l'Apocalypse 19. Donc cette épouse qui est enlevée, dites amen. Amen. Elle réapparaît selon Branham dans l'Apocalypse 19. Ah, dites amen, frère. Et nous allons voir. Si l'Apocalypse 19, c'est aussi une venue. Parce que les frères, Christ n'est pas encore venu. La seconde venue. Tu as encore retard la seconde venue. Hein? Encore on regarde, tu attends la seconde venue. Parce que quand les gens lisent le message, il suffit seulement qu'il dit Christ vienne dans sa venue. Vous voyez, il voyait ici sur un homme sur la terre. Va étudier la parole, Branham te dira que sur la terre, sur la seconde venue, il ne pose pas les pieds sur la terre. Et dans sa seconde venue, il est immortel. Est-ce que Branham nous a pointé les yeux d'un homme sur la terre? Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa bouche? Mais quand Jean a pointé, il a pointé un homme. Parce qu'il était mortel. Mais sa seconde venue, il est I. Selon Matthieu 17, la préfiguration de la seconde, hein? Je suis le précurseur de la seconde venue de Christ. Et Christ a tout. Et Christ a la gnosso. Et le millionnaire. Dites amen, frère. Amen. L'évangile d'hier là, ce n'est plus ça. Sango a lobé tchali angote. C'est l'évangile de la théophanie. Ayo kone sango nzoto liloba. De l'âme. Ya elema. Les gens, frère. Le loba tondeko. Bon. Na zonga na moi Pierre Moké. Je vais revenir un peu à Pierre. Personne ne va disparaître s'il n'était pas déjà enlevé quand la nuit était venue. Motote akoli moi. So ki te aneto ma te tan li pata yango e akaka. Dites amen. Le batamen ango. Dites encore amen. Père le sous amen. C'est pour cela qu'on doit vérifier la théophanie. Yango sadote banzote sa bozambe. Les vierges folles continueront dans la souillure. Mister mababa kokoba kande na bosoto. Et le pouce pratiquera la justice. C'est pour cela, frère. Quand je prêcherai Pierre, Jacques, nous allons inviter tout le monde. Parce que là, c'est l'espérance. Mais celui qui peut espérer, c'est celui qui est déjà là-bas. Parce que Branham le dit ici, on prend le livre. Si va vous après beaucoup. L'enlèvement. Si va connaître la main. Est-ce que c'est clair? Yango est allé pour l'élé. C'est clair? Et ça pour l'élé. Lisons pour voir si nous sommes dans l'Apocalypse 19. Si c'est la seconde venue aussi. Total, total, si c'est la troisième venue. Soit ça pour l'élé, soit pour l'élé. Quatrième saut, paragraphe 356. Que personne ne m'enseigne, que Dieu lui-même m'enseigne.
Qu'il m'enseigne comment marcher, comment vivre. Parce que sur le trône, c'est la fumée. Quatrième psaume 356. Amen. Amen. C'est pour ça, ne regardez pas les gens. Hein? Amen. Amen. Ah oui. Hein? Boye. Hein? Si tu regardes quelqu'un, parfois lui, il était pour lui, il y a l'enfer. C'est le livre de vie de l'agneau maintenant. Hein? L'évangile de livre de vie est terminé. Où tout le monde, ils ont le nom dans le livre de tout le monde. Même Pharaon avait le nom dans le livre de vie de même Caïa. Même Nimrod. Attends, Nimrod. Maintenant, si vous voulez voir leur corps, prenons Apocalypse 19. Après qu'ils ont été tués par la parole. C'est pour cela que nous tuons les gens par la parole. Dans l'Apocalypse 19, de sa bouche sort une épée aiguë. Donc quand nous prêchons, il y a ceux qui meurent. Parce que quand on prêche, quelqu'un va crier « Tuez-le !» Parce que l'incrédulité t'amène à mourir. Si le diable veut t'amener la mort, il t'amènera de ne pas croire la parole. Plus que tu vas douter, plus que tu auras la lourdeur, plus que tu n'auras plus le zèle, et plus que tu n'auras plus rien. Parce que tu doutes. Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une soeur qui a fait un songe ici. Il y a qui a vu notre soeur en un séjour de mort, mais tout noir. Ce que j'ai dit là, c'est. C'est un mystère. On a relevé les années les bombes ami. Oh, il est de, comment il est sur la terre, mais il se retrouve en enfer là-bas tout noir. Boni Azalea on a ma belle na bateau. Quand c'est à comme il na li fait na c'est quoi mon. Il y a des gens qui sont déjà en enfer. Et ça bateau va s'en aller fait l'eau. Hein? Ah, troisième venu, comme ça là. Voyez, amis, ça tout. Dit, maintenant, si vous voulez voir leur corps, prenons Apocalypse 19. Après qu'ils ont été tués par la parole. Or, la parole va les tuer. Donc, l'Apocalypse 19 là tue les gens. Et moi, c'est toi de libérer Boma Bato. Quand vous prêchez ça. Ça vous le savez. Oui, bien, oui, bien. Très bien. Madame. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est bon, t'es là, madame. Vous allez voir ce qui se passe à la venue de Christ. Dans l'Apocalypse 19, à partir du verset 17. Donc, ce que l'Apocalypse 19, c'est aussi la venue de Christ. Mais il est écrit, ils seront tués par les pecs sur sa bouche. Or, il est roi dans le millénaire. Et il est monté sur un cheval blanc. Il est appelé roi de Seigneur de Kolo Yabakolo. Donc, tout pouvoir lui était déjà donné. Dites amen, frère. Loba amen, Ayango. 356. 377. Amen. Amen. Nous blanchissons des nuits. Donc, pas seulement pour jeûner.
Ok. Nous avons dû prendre plusieurs passages de l'écriture jusqu'à l'Apocalypse 9 pour montrer que c'est par la venue de Christ que l'Antichrist Christ sera tué. Quel est venu l'Apocalypse, hein? C'est pour ça que je ne me suis pas borné à prendre, seulement deux versets. J'ai dû prendre différents passages de l'écriture pour prouver ces choses. Donc c'est pour ça que j'ai pris Apocalypse 19 pour montrer que la fin de l'Antichrist, c'est quand il sera tué. Christ, quand il viendra, il tuera l'Antichrist. Dites amen. Dites encore amen. Amen. À sa troisième main, allons-y encore. 315. Toujours 4ème. Kaka tapo ya mine. Suivez-moi très bien. Bon, la malam. Ceux qui sont avec lui montent les cheveux blancs aussi. Bon, baza elongonae. Bon, peba bon, mataka ponda o ya pembepe. Ou endre le saint de seul tabernacle. Kopa go sainte au sainte ema yam vou la koto. Et aussi, ils sont sous les cheveux. Et ils sont appelés les élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. Yo, j'aime ça. Appelés élus avant la fondation du monde. Et ensuite fidèles à la parole par leur choix à eux. Rempli de l'assimilation du vin nouveau et de l'huile. Ils n'arrêtent pas leur course. Ils vont à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Ce sont les élus. Et ça va pour l'ami. Eux aussi qui sont sous le cheval blanc. Dans l'Apocalypse 19. Dites amen. Père le bâme. Ah. 325. Et souvenez-vous. Père Bakalisa. Ces saints sont revêtus de robes blanches. Aucun mélange avec les dénominations et les credos. Or, nous voyons que les dénominations et les credos, c'est ce qui donne cette couleur mélangée. Mais elle sur laquelle lui, il est monté, c'est la couleur originelle. Et son peuple porte la couleur originelle. Écoutez, qu'est-ce qui fait qu'il porte la couleur originelle? Et ils ont été plongés dans le sang qui a nettoyé leurs vêtements. Vous connaissez le vêtement? C'est la théophanie. Et qui l'a retourné là-bas? Donc, parce que l'épouse, moi si elle est là, c'est pas seulement nous. Et Zakar a bisoté. L'épouse a commencé depuis Adam. Moi si elle est là, hier Abanda Woutan Adamo. Est-ce que vous comprenez? Mais non, c'est le sang de Jésus. Ma qui l'a naïso. Mortel. Qui lave nos vêtements, nos théophanies. Donc nos théophanies étaient noircies par Adam à cause du péché. Et le sang de Jésus
Blanchis notre théophanie. Père, quand il peut bien entendre ça, l'iloba. Dites amen à ça, frère. Père, l'amen, Diego. Dites encore amen. Amen. Et c'est eux-là qui sont enlevés. Et ça, bah, moi, bah, c'est pour cela que frère Branham a dit dans l'Apocalypse 19 qui est la troisième vue de Christ, et ça, il revient sur la terre. Or, tous les morts sont ressuscités. Bah, ouais, bah, c'est quoi? Depuis Adam jusqu'à l'Odyssée ressuscité. Parce que quand la nuit est venue, Moïse représentait les morts en Christ. Et il représentait ceux qui iront vivants. Donc si la nuit est venue, c'est déjà accompli. Les morts elles sont là. Les vivants aussi sont là. Donc moi j'étais déjà enlevé. Longtemps. Dites amen, frère. Dites encore amen. Mais non, non. La troisième est venue. C'est l'Apocalypse 19. C'est Christ qui revient sur la terre. Voilà Christ qui est dans ma belle. Avec ce sujet. Père Boya, n'est-ce pas? Vous êtes. Et frère Branham. Déco Branham. Tu nous as dit que la troisième venue c'est Dieu, hein? Yo là, koye mi se zambe zanzoto. La troisième venue c'est quoi? Boya mi se to zande nini. Na lingina yo kana moto. C'est quoi? Répète encore. C'est Emmanuel. Qui? Emmanuel veut dire quoi? Comment? Voilà. Tala. Donc, quand il revient sur la terre, Mabele, la troisième venue, hey, boye, misato, William Branham. William Branham. C'est Dieu incarné. Et ça, les hommes, dites amen, frère. Dites encore amen. Fais le bien, amen. C'est le roi. Et ça, les Koumou. Avec ce sujet. Na bato boyaye. Parce qu'on a dit Dieu, hein? Balone zambe kati na nzoto. Ça qui rentre quelque part. Et à quoi est-ce que songolo? Donc, dites amen, frère. Amen. Dans le Dieu incarné ici, il n'y a pas bateta. Père, kati na nzambe kati na nzoto les ala bateta te. Dans le Dieu incarné ici, c'est William, hein? Kati na nzoto la bomoto, c'est William Branham. Amen, frère. Dites encore amen. Jésus, amen. C'est Emmanuel. Et c'est Emmanuel. Dieu avec que Zabelore la biso. C'est ça la troisième venue. Voilà des boyer misato. Parce que le cheval blanc là, pour des pembe wana, c'est William Branham. Et c'est de William Branham. Dites amen, frère. Père, l'obamène est rendez-vous. Apocalypse 19. Et moi, c'est toi, Delibois. Quand vous descendez en bas, c'est moi qui dis assez. On a dit, on a vu un ange dans le soleil. Moi, or, il y a un frère de Branham Tabernacle. Et c'est un démocrate de Branham Eba. Qui a fait un songe. Oh, l'autre en doto. William Branham qui prêchait dans le soleil. Oh, William Branham qui était à Katina Moï. C'est Apocalypse 19. Et ça, moi, c'est toi, Delibois. Ça veut dire que la troisième venue est déjà accomplie. Et vous Dieu avec nous. Mais c'est toujours Christ. Mortel. Mortel. Immortel. Dieu incarné. Parce qu'il vient trois fois. Dites amen à cela. Amen. Et c'est ici. Où de sa bouche sort une épingle pour tuer le cheval pâle. Dites amen à cela, frère. Qui est l'antichrist et tuer aussi ceux qui sont avec lui. C'est pour cela que moi aussi je veux sur un cheval blanc. Dites amen, frère. Et il a appelé roi des rois. Père, ben, kumi, Seigneur, hein? Kolo, ya, ba, kolo.
Dites amen, frère. Pelo amen deko. Dites encore amen. Loba Jesus amen. C'est pour cela tous les tout le monde venait autour. Nango bato boso bakwa nzinga nzinga. To William Branham. Oya William Branham. Et frère Branham a tué. Mais de quoi mais c'est quoi Boba? Par la parole antichrist. Nali loba moyina Christo. C'est dans cette venue là qu'on tue. Vous allez remarquer quand vous arrivez à la troisième venue, il y a beaucoup de morts. Et avant de rendre la troisième venue, il faut d'abord qu'il y ait des bombes. C'est pour cela qu'il y a eu d'abord des bombes ici. Qu'il y ait des morts et puis on rentre dans le milieu. Non. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen à cela? Donc, dites amen, frère. Amen. C'est pas moi. Moi, je ne fais que. On m'a dit, chez Branham, Branham. Répétez les bandes. N'est-ce pas? Je ne fais que répéter. Là, qu'on et nous allons lire, frère Branham. Si réellement, solo, le Dieu incarné, c'est aujourd'hui. Si Branham dit ça aujourd'hui, alors on doit croire que la troisième venue est accomplie. Est-ce que vous allez croire? Aimez-vous frère Branham? Croyez-vous que Branham a dit que répéter le bon, il est responsable? Dieu incarné. Zambe Katilanzoto. Apocalypse 19. Dieu incarné là. Il n'y a pas un évangéliste. Un docteur. Un apôtre. Tomate. Que tu rentres dans le feu. Okote la moto. Que tu vomis le feu. Osanza moto. Apocalypse 19. Le Dieu incarné. Seulement William Branham. Ezakaka William Branham. Hein? Hein? Écoutez. Écoutez, frère. William Branham, c'est un homme né comme moi. William Branham, c'est un homme né comme moi. N'est-ce pas? Boete. Qui avait aussi un appel. Vous avez un appel en Bela. Divin comme moi, j'ai aussi un appel divin. Mais la colonne de feu. Mais la colonne de feu. N'a pas permis que lui boive. Mais après, c'est pour ça que tu as un et que lui ne fume pas. Qui ne souille pas son corps. Mais moi, avant de croire le message, il me laisse fumer, boire, et souiller mon corps. Parce que William Branham, lui, c'est le corps de l'Apocalypse 19 pour accomplir la troisième œuvre. Le Dieu incarné ne fume pas, ne boit pas quand tu seras grand. Quand tu seras âgé, cherche une œuvre à faire avec toi. Est-ce que moi, il n'a pas une œuvre qu'il fait avec moi? D'abord, il a permis que j'entre dans le feu. Et pourquoi il m'a laissé toutes ces années jusqu'à 28 ans ou 21 ans? Je reste dans le monde. C'est pour cela que le bonhomme dit entre moi et Jésus, la seule différence, parce que lui il est né virginalement, la seule différence, c'est la naissance virginale. C'est pour ça que la parole il y a le contexte. Ici nous parlons de Dieu incarné. Nous ne parlons pas de la nouvelle génération qui doit faire plus. Non. Nous parlons de la prophétie. Ah, dites amen, frère. Dites encore amen. C'est pour cela que j'aime la photo là. Parce que frère Branham a une perruque. J'avais prêché à l'époque quand j'étais chaud, quand je prêchais,
je prêchais les bottes de William Branham. La ceinture de William Branham. Où je disais pourquoi il fallait que ce soit les cow-boys, pas les bergers. Où les gens disaient que lui, il est pris Branham. Dites amen. Amen. Comme les gens chantaient ici là, quand il a commencé à prêcher ça, tout le monde était d'accord. Quand il a fait les campagnes d'évangélisation, les gens étaient guéris, tout le monde est d'accord. Mais quand il a commencé à parler de la théophanie, tous les anciens de l'église ont taillé la zone. Pourquoi il a la perruque? Tiens, on va prendre le côté. Que bas. Attention. J'ai prêché le mystère de la perruque de Frère Branham et sa résurrection. Je ne prêche plus comme ça, frère. Pourquoi la perruque? Tiens, il y a un côté. Parce que les juges anglais, quand ils jugeaient, ils portaient la perruque blanche. Et qui a acheté la perruque de William Branham? Meda. Et Meda, c'est le type de l'épouse. Frère Branham dit qu'il va couronner Christ comme roi des rois. C'est l'épouse. Billy Paul a essayé de parler de la perruque. Le premier jour que Branham porte la perruque, Billy Paul, papa, tata, tu iras à l'église avec la perruque. Frère Branham a changé. Il dit Paul, je n'irai plus manger avec vous. Billy Paul est parti. Billy Paul a qu'est. Ils ont mangé. Bon, balé. Ils ont mangé. Balé. Billy Paul connaissait son père. Billy Paul, quoi, tata, vous devez reconnaître votre père. Et puis c'est bon, ben des tata zalaka. Ah, j'ai fait du mal à papa. Ah, na sel ma ben la tata. Le frère Dro, qu'est-ce que tu as? Donc, tu as seulement posé la question. Ils ont posé la perruque. Il dit je dois. Wan ezali diabolo. J'irai voir papa. Père que tata. Billy Paul approche. Billy Paul est en poussée. Il frappe à la porte. Père Kayekouke. Madame dit Paul rentre. Père Boyazo. Paul est rentre. Tu peux t'asseoir là. Paul est au fond d'awa. Il dit j'étais pour toi un père. Alors Nazar Paul est tata. Et une maman. Père maman. Ta maman t'a laissé à l'âge de 2 ans. Tata, maman, tu as le je prenais le biberon, je mettais mon dos et je te mettais mon dos pour que le biberon soit chaud. Toi, Paul, tu ne peux pas me faire quelque chose qui me fera mal. Mais cette chose-là qui est en moi, le Dieu incarné, cette chose-là qui est en moi n'a pas aimé ce que tu as dit. Souviens-toi de notre diacre qui s'est moqué de moi quand j'ai porté des lunettes. Il disait comment il prêche la guérison divine, il porte encore des lunettes. Nous l'avons enterré les jours qui venaient. Tu te souviens d'un tel? Nous l'avons enterré. Je n'ai pas voulu que tu continues à parler en mal. C'est pour cela que j'ai laissé de ne pas partir avec toi. Parce que cette chose qui est frère, comment cette chose qui est en lui va protéger la perruque? Or Branham ne croit pas les choses artificielles. C'est que c'était significatif. Parce que Dieu, c'est un Dieu de représentation. Parce que dans le lieu très saint, il y avait la représentation. La représentation du ciel était dans le lieu saint de Saint. Et William Branham aussi, c'est le saint de Saint-Santo. Keba! Attention. Avec la paix de Frère Branham. Ne continuons de comprendre. Vous voyez, on lui a mis les fleurs ici. Bâtiens ma folonawa. Dites amen. Amen. C'est le roi. Ezakumu. Le Dieu incarné. Zabekati la zoto. Dites amen, frère. Pelo ma amen deko.
Dites encore amen. Loba lisusu. Ceux qui n'étaient pas enlevés ne veulent pas croire. Ceux qui sont sur la terre, ils doutent. Mais ceux qui sont déjà enlevés. Est-ce que moi je prêche la parole à ta chair qui me regarde là? Est-ce que la chair croit? Branham dit, mon premier ennemi c'est William Branham, hein, lui-même. Moi je parle à ta théophanie. Ton vêtement qui est lavé par le sang de Jésus. Celui qui était enlevé à la rencontre de Christ. Et qui est revenu sur la terre. Dans sa troisième venue. On sait j'aurai, ça passe. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. Voilà. Tala. Nous allons maintenant lire frère Branham. Si aujourd'hui nous sommes dans le jour du Dieu incarné. Total de votre soleil, tous amis colonzoto, katinanzoto. Branham dit justification. Constat du sama. Sanctification. Kobul sama. Baptême du Saint-Esprit. Libère sa bonne au santo. Le Dieu incarné. Zabenanzoto. Et le Dieu incarné, c'est la personne du Saint-Esprit. Dites amen, frère. C'est pour cela que Jésus avait dit quand le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Dites amen, frère. Dites encore amen. Jésus, amen. Frère, je n'ai pas amené le message. Je n'ai pas de livre de Batete, il n'y en a pas ici. C'est William Branham. Et ça, William Branham. N'est-ce pas? Boete. N'est-ce pas? Boete. Et moi, je répète, frère Branham. Il est responsable. Mais souvenez-vous tous, c'est Pierre qui prêche. Hein, ma soeur? C'est Pierre qui prêche, hein? Amen. Amen. Frère, Dieu confirme la vérité. Quand j'ai commencé le Saint des Saints, même le diacre Eric m'a dit, il m'a fait ça à la maison. Il dit, depuis dimanche et mercredi, la 12, c'est comme si. On t'a encore augmenté les choses. C'est très bien ça. Mais nous allons rentrer dans le Dieu incarné, ça sera calme. Et si vous êtes ouais, vous allez comprendre. Parce que c'est l'onction qui enseigne. C'est pour cela que je ne peux pas d'abord parler de ça si l'onction n'est pas d'abord ouais. Qui croit qu'il est puissant? Qui croit qu'il a la gloire? Qui croit qu'il est roi? Ça vous croyez ça? Est-ce que vous croyez? Parce que j'ai lu frère Branham, non? Il a parlé au sujet de nous. Mais quand je parle de humble serviteur Branham, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il soit le Dieu incarné? Jubilez aussi comme vous avez jubilé pour vous. Dites amen. Amen. Ah, conseil de vous. Ah, ok. Ok, troisième saut. Paragraphe 263. Seigneur. Kolo. Amène-moi dans la pureté, dans la sanctification, sans qu'on me prêche. Parce que dans le millénaire, c'est celui qui se suit. Donc Dieu ne va pas regarder. Garde-moi, Seigneur. Je ne veux pas regarder X ou Y. Parce qu'il y a ceux qui avaient déjà raté l'enlèvement. Ils ont raté. Quand Christ est venu, ils avaient déjà raté. Donc il ne peut même pas revenir sur la terre dans la troisième venue. Parce qu'ils ne sont pas enlevés. C'est pour cela qu'ils passent dans les tribulations.
Tribulation sur tribulation. Minyoko, yuko, minyoko. Mais j'aimerais que ta théophanie n'y a de doté en liloba. Se repose. Et n'y a de ma. Frère, ana lobango, na lobango. Je vais le dire. Nako lobango. Je vais le dire. A lobango. Je vais le dire. Soki théophanie na yo zo bimbo que ça la ma bé. Si ta théophanie sort pour aller faire du mal, abandonne cela. Ina théophanie yo te olingo mangali felo yo. Faut la haïr cette théophanie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Na wote bien le komoko. Je vais vous dire quelque chose. Non le likam. Ah, la vérité s'appelle Dieu. Bon solo comme l'enzambi. Quand j'ai cru nouvellement. Tana dimaka esika. Il y avait des esprits qui m'embêtaient. Ya kana minu yako tungisangai. Un jour Mokolomoko. Je me suis réveillé. Na la moki. Je dis Seigneur. Kolo. Comment tu peux permettre? Bonoko pese pousa que le diable. Diabolo. Traverse ton sang. Akasa makila na yo. Et qui vient me toucher? Ako simbanga. Je me suis fâché. Na tomboka. Depuis ce jour-là. Uta mikolo wana. Ces histoires-là qui m'embêtaient ne m'embêtaient plus. Comme j'ai l'expérience, quand quelqu'un veut me voir, il ne veut pas de ça. J'ai dit frère, si ça continue, c'est que tu te réjouis dans cette condition-là. Quand tu te réveilles, dis comment moi, fils de Dieu, et tu laisses que les démons là viennent m'atteindre. Tu seras libre sans qu'on t'impose les mains. C'est la même chose avec ta théophanie. Quand tu vois que ta théophanie va continuer à faire du mal, tu arrêtes l'enlèvement. Parce qu'une théophanie qui est enlevée ne va pas envoûter les gens. Donc tu te réveilles, haïs ta théophanie. Il y a un problème. C'est ça l'enlèvement, frère, c'est ça. L'enlèvement. Vous pensez que l'enlèvement, frère, est l'okoyo. La chair là que tu es ou pas. Vous pensez qu'on ira au ciel comme XOR. Avec la chair. Ça c'est bien mal acquis. Oui, c'est bien quoi en Ghana. Ça là. Oyo. L'ennemi de Branham. Mongoula Branham. Toi tu m'as déjà vu toi. Je sais comment on a gagné. Tu m'as pas encore vu. Non, moi, ah, Dieu t'a fait grâce. Tu as vu ma téléphone dans la photo. Oh, ça va se faire. Moi, je t'ai pas besoin de Lili. Lisons. Totanga. C'est pour ça que téléphone, nous sommes bien. Si ta téléphone continue à faire le mal, c'est pas aussi bien. Il nous avons que non, yo n'a pas quitté, mais téléphone n'a pas bien d'ailleurs. Là, Dieu soit que toi, tu n'avais pas aimé cela. Mais téléphone n'a pas bien d'ailleurs quand même. Mais yo n'a pas lingaté. Mais quand même, nous avons bien lingaté. Amen. Tu n'aimais pas ça. Et mon collègue n'a pas tel de cambonnage. Le dernier jour, moi, je verrai ton problème. Amen. Parce que quand même, car toi, tu n'aimais pas faire cela. Dites amen. Amen. Mais Oyo Alingara, la Gisazan et Kung Fu, Jackie Chen, Nabutu, Arata, enlèvement, Kala, Atikala Nae. Amen. 263. Quand même, balai à tout le monde. Quatrième saut. Tapo Yamine. Frère Branham dit. Ndeko Branham Alubi. Non, troisième, c'est excusé. T'as pas mis ça, toi, Willy Misa. Comme je suis seulement venu prendre le seau du bureau, je n'ai pas noté ça. Ok. 263, troisième saut. Amen. Amen. Prenez ces choses. Bonsoir, Biloko Oyo. Cela, le diable a voulu mettre les bâtons dans la roue des gens. Diable, n'a pas été dans le bateau. 263, frère Banamdi. Et exactement. Père, quand on dit la troisième venue, c'est quoi? Père, il y a des années.
C'est quoi? Ezanini. La troisième venue, c'est quoi? La première venue, c'est quoi? Mais il y a un tableau à Dieu. La seconde venue. La troisième venue. C'est moi qui ai dit ça? Non. C'est qui? Troisième saut. 263. Et exactement comme l'église qui est comme ça. L'église antichrist. Elle avance. Mais pousse aussi. Est passé par différentes choses. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer. Vous voyez? Exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'église est là en dernier. Donc Antichrist a eu son réveil le premier et l'église en dernier. Elle en dernier. Leurs trois premières années. Leurs trois premières étapes à eux ont conduit à l'âge de ténèbres. Ensuite, les troisièmes trois étapes, c'est l'église qui sort. À partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné. Jusqu'où? Manifesté parmi nous. Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête, et puis il y a l'âge de ténèbres, et l'église sort de cet âge de ténèbres. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. La parole incarnée, c'est qui on est. La parole incarnée, c'est qui on est. Mais non, si il est la parole incarnée, nous sommes dans quelle venue? Hein? C'est pas moi. Quatrième, c'est dernier station, on va rentrer à la maison. Il commet à ce qu'on te comme au quota. Paragraphe 196. Écoutez, Emmanuel. Boyoka, Yohane, Emmanuel. Emmanuel veut l'explication du cheval blanc. Wanandimbola, Oya, la Punda, Langa Pembe. Amen. Frère Branham dit. Quatrième saut. Non, excusez. 196, aïe. Comme je l'avais dit, je n'avais pas noté. Ok. Pourquoi la commune qui a noté? Mais quand notre Seigneur apparaît ici sur la terre, il apparaît où? La troisième venue, il vient où? Il montera un cheval blanc comme neige. Et il sera complètement et entièrement Emmanuel. Il sera comment? La parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez, voilà à quel point ils sont différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Emmanuel. Le Dieu incarné. Donc pour le frère Pierre,
L'homme de la foi, il trouve toutes les citations. Elle vous démontre au tableau avec le schéma à l'appui et les citations qui parlent. Dites amen. Amen. Que ce n'est pas une doctrine cousue. Pierre n'a pas cousu la troisième venue. Mais il a démontré. Dites amen à cela, frère. Amen. Dites amen à cela. Amen. Selon sa vision, que nous sommes dans le Dieu incarné, dont le moment déjà eu lieu, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la troisième venue de Christ. Ses pieds sont sur la terre sous la forme de William Branham. C'est le millionnaire. C'est celui qui se souille. Que celui qui se sanctifie. Mais ceux qui sont déjà enlevés pratiqueront la justice. Même ce soir, tu peux commencer quelque chose. Dites amen, frère. Dites encore amen. Que votre théophanie, les vêtements blancs, que votre théophanie comprenne que ta théophanie qui était déjà enlevée comprenne que le Dieu incarné, c'est avec William Branham, un homme, Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Zambe longana biso. Que Dieu vous bénisse. Zambe ya pambola bino. Seigneur notre Père. Kolo tata na biso. Les cieux et la terre passeront. Lola na mabele ekoleka. Mais ta parole ne passeront point. Liloba nayo ekoleka te. William Marion Branham. William Marion Branham, il a les paroles d'infaillibilité. Tout ce qui est dit ce soir, j'ai lu le message. Maintenant, pour le reste, c'est seul toi qui peux accorder la compréhension. Tu as enseigné Cléopas et son frère pendant 6 heures. Ils n'avaient pas compris que tu étais le Messie qui était ressuscité. Mais quand tu avais brisé le pain, leurs yeux étaient ouverts. Ils t'avaient reconnu et ils avaient fait un retour à Jérusalem. Oh Dieu, je peux prêcher pendant 10 heures. Mais si toi tu leur ouvres pas le jeu de la théophanie, ils ne pourront pas comprendre. Seigneur, ceux qui sont déjà enlevés, ils sont revenus sur la terre, car leurs vêtements sont blancs. Ils sont sur un cheval blanc. Oh Dieu, et tu as dit que celui qui se souille se souille davantage, que celui qui pratique la justice se justifie encore. Père, tata, que cette parole commence par moi-même, dans mes frères et mes soeurs, et que nous puissions réellement être ce tabernacle du millénaire, comme tu les avais oint. Tu les avais oint depuis dimanche, mercredi, et j'ai enregistré beaucoup de témoignages. Dieu Tout-Puissant, viens et donne la compréhension. Que cela soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.